مرحبا بمشتركي سبورانيت. دونك بزلت مواصله معاكم دونك في اصلاح بعض التمارينات على لي زكتيفيتي الجبريك. دونك بالنسبه للتلاميذ البروميير اني باش نحاول نخدم لكم ماكسيموم دي اكزرسيس ماكسيموم دي زيكزامبل باش ما تلقوش حتى صعوبه. دونك نبدا بالاكزرسيس نيميرو 1. On donne a égale 2x moins 3 et b égale à moins 5 sur 2x moins 1. Montrez que pour tout réel x supérieur à 2, on a 9 sur 2x moins 2 supérieur à 7. Comparez alors a et b, soit x un réel de 2, 3, je monte à l'année, monte x entre 2 et 3, l'année supérieure ou égale, je trouve l'intervalle, je trouve l'intervalle bien fermé. Donc, je trouve que je vais faire une 9e année. Okay? Vérifiez que 3x moins 2 sur x moins 1 égale 3 plus 1 sur x moins 1. On déduit un encadrement de 3x moins 2 sur x moins 1. Donc, je vais faire une 9e année. Donc, je vais faire une vidéo de la 9e année. Je vais faire une vidéo de la 9e année. Donc, je vais faire une vidéo et tout de suite. Donc, je vais faire bien sûr la chose à faire. Donc, je vais faire l'exercice. On va faire une collection. Okay? Donc, je vais faire l'exercice. Je vais faire une عندي دونك عطيني اول حاجه عطيني a égale 2x moins 3 عطيني b égale moins 5 sur 2x moins 1 نحط لي دوني نتاعي الكل. دونك petit a montrer que pour x est supérieur à 2 donc on a 9 sur 2x moins 2 donc supérieur à 7. Donc شنو خرجنا من هنا من x supérieur à 2 donc x est supérieur à 2 بعد شنو باش نعمل هنا x ضربته في 9 sur 2 9 sur 2 اش بيه هذايا donc c'est un nombre réel positif معناتها ما يتغير حتى شيء. Donc 9 sur 2x supérieur à 9 sur 2 fois 2 شنو معناتها 9 sur 2 fois 2 معناتها 9 donc 9 sur 2x supérieur à 9 هاكا ولا بعد نقصت منها 2 donc 9 sur 2 x moins 2 supérieur à 9 moins 2. 9 moins 2, il y a 7. Donc finalement, on sort et nous, 9 sur 2, x moins 2 supérieur à 7. Voilà, on a montré donc le résultat. Regardez les questions petit b, comparer alors a et b. Donc il y a bien une comparaison entre a, il y a 2x moins 3, ou b, il y a moins 5 sur 2x moins 1. Donc, l'année, je n'ai pas besoin de faire A, je n'ai pas besoin de faire A moins B. Donc, A moins B égale 2x moins 3 fois moins, pardon, moins 5 demi x moins 1. Donc, qui est égal 2x moins 3 moins moins, donc plus 5 demi x ou moins moins plus 1. Donc, l'année, je n'ai pas le même dénominateur. Il y a 2, je n'ai pas 2 sur 2x plus 5 demi x moins 3 plus 1, donc moins 2. Et puis, je vais obtenir 4 plus 5, donc égal à 9 demi x moins 2. Et il y a A moins B. Je vais aller. Nous avons 9 demi x moins 2 supérieur à 7. Donc, je vais 9 demi x moins 2 supérieur à 7, c'est positif. Donc, je vais obtenir A supérieur à B. On dit A moins B positif. Donc, A supérieur à B. Donc, on dit A moins B supérieur à 7, c'est positif. Donc, A moins B positif. Donc, ce qui donne A supérieur à B. T'as la question. Donc, question 2, soit x un réel dans 2, 3, chemin à l'année, donc x supérieur ou égal à 2, inférieur ou égal à 3. Vérifiez donc que 3x moins 2 sur x moins 1 égale 3 plus 1 sur x moins 1. Là, nous, la question est d'Ima, les exercices internes. Donc, vérifiez que f de x égale à g de x. Donc, il y a un autre chemin qui est ou bien un autre chemin qui est le lit. Il y a un autre chemin qui est le lit. Donc, on dit 3 plus 1 sur x moins 1 égale, donc même dénominateur, 3 fois x moins 1 sur x moins 1 plus 1 sur x moins 1. Donc, égal, les mêmes dénominateurs, il y a x moins 1. Les échanges statiques, donc, statiques 3 fois x, 3x, 3 fois moins 1, moins 3, plus 1, donc, égal 3x moins 2 sur x moins 1. On a montré, donc, finalement, et nous, 3x moins 2 sur x moins 1 égale 3x, donc, pardon, égale 3 plus 1 sur x moins 1. Voilà. Résultat نتاع ديما نحاولوا في اخر الكيستيون دونك نوصلوا للريزلتات نكتبوها بلون مغاير عفوا نحطوها دونك دونك نون كادرو فوالا اون ديدوير ان انكادرومون دو 3x موان 2 سور x موان 1 دونك تحب ان انكادرومون دو 3x موان 2 سور x موان 1 احنا باين انو 3x موان 2 سور x موان 1 ايكال 3 بلس 1 سور x موان 1 دونك باش نعمل انكادرومون للفونكسيون هذي اوكي. Bien sûr, on a x entre 2 et 3. Donc, x moins 1
entre 2 moins 1 et 3 moins 1. Je m'entends à x moins 1 entre 1 et 2. Donc, je vais faire l'inverse. Donc, 1 sur x moins 1 entre 1 demi et 1 sur 1 moins 1. Donc, je vais 3. Donc, 3 plus 1 sur x moins 1 entre 3 plus 1 demi et 3 plus 1. Les mêmes dénominateurs, donc fois 2, 6 plus 1, donc c'est demi. 3 plus 1 sur x moins 1 et 3 plus 1, il y a 4. Voilà, on a donc encadré fonction interne. Ok, alors un encadrement de 3 plus 1 sur x moins 1, il y a bien 3x moins 2 sur x moins 1. Donc, mesdames, il y a la 3x moins 2, donc on a tout 3x moins 2 sur x moins 1 entre ces demi et 4. Donc, t'as de l'exercice libada. Soit i égale x en réel 2x moins 3 entre moins 1 et 3. Montrer que i égale à 1, 3. Pour x appartient à i, donner l'encadrement de 1 moins x au carré et 1 sur x plus 3. Soit x appartient à i et y entre 4 et 5. A égale à 3, valeur absolue de 4 moins 5x plus valeur absolue de 2y moins 5 moins 15x moins 2y. Donner un encadrement de 4 moins 5x, 2y moins 5. Simplifier alors l'expression de A. Okay? Donc, les questions internes. Donc, d'abord. Question numéro 1, i égale donc x dans R tel que donc 2x moins 3 entre moins 1 et 3. Donc l'aîné a montré que i égale 3, 1, 3. Je m'attends à donner un encadrement de x. On a 2x moins 3 entre moins 1 et 3. Donc 2x entre moins 1 plus 3 et 3 plus 3. Donc l'aîné a fait le moins 3, mais l'aîné. Donc l'aîné a plus 3. Ou l'aîné plus 3. Ou l'aîné plus 3. Ok. Donc je peux statiner 2. 2x, je peux statiner 6. Je peux statiner 2. 2, c'est un nombre positif, donc mettre hachay, donc 2 sur 2, 1, et 6 sur 2, 3, finalement, donc bayint et nous x entre 3 et 1, donc i égale 1, 3. Now, nous fermons une barre 1 ou ouvert une barre 3. Quand elle est ou égale, elle est strictement. Ok? Pas de question petit b. Donc, je vais pour tout x appartient à i, donner un encadrement de 1 moins x au carré et un encadrement de 1 sur x plus 3. Donc, bien sûr, je vais un encadrement de 1 moins x au carré. Nous avons x entre 1 et 3. Donc, x au carré entre 1 au carré, moins 1 et 3 au carré, moins 9. Moins x au carré, donc, drape-t-il moins 1. Bien sûr, je vais faire moins 1, je vais faire moins 9 ou je vais faire moins 1. Et, bah, je vais faire 1, donc 1 moins x au carré. Je dois dire moins 9 plus 1, donc moins 8, et moins 1 plus 1, donc l'aîné est 0. Pardon, l'aîné a dit strictement, oui, donc t'as pas dit main strictement, ok? Ou égal, l'aîné, voilà. Donc, il y a résultat interne. Donc, tu as donné un encadrement de 1 sur x plus 3. Bien sûr, je mets x entre 1 et 3. Donc, l'aîné, madame x entre 1 et 3, donc x plus 3 entre 3 plus 3, donc 6 et 1 plus 3, 4. 1 sur x plus 3, donc bien sûr, je n'en mets 1 sur. Donc, l'aîné, je dois lire strictement. Donc, 1 sur 6, mon aîné, 1 sur 4. Voilà, donc finalement, c'est 1 sur x plus 3 entre 1 sur 6 et 1 sur 4. Le double n'applique d'ailleurs, vous devez passer quand même ou égal strictement, c'est un jeu bien, ok? Donc, dans la question numéro 2, donc x appartient à i, l'intervalle interne, on dit y entre 4 et 5. Donc, a égale 3, valeur absolue de 4 moins 5x. Plus 2y moins 5, valeur absolue, donc moins 15x moins 2y. Donner un encadrement de 4 moins 5x. Donc là, on a x entre donc, 1 et 3. Donc moins 5x, donc moins 5, c'est un donc, nombre négatif. Donc bien sûr, je dois éliminer moins 3 fois 5, moins 15, et moins 5 fois 1, donc moins 5. Bah, dit que je dis 4, donc 4 moins 5x, entre moins 15 plus 4, donc moins 11, et moins 5 plus 4, donc moins 1. Voilà. Donc, il y a un encadrement
de 4 moins 5x et un encadrement de 2y moins 5. Donc, on a les y entre 4 et 5. Donc, 2y moins 5, je n'ai pas 2y. Donc, 4 fois 2 moins 8 et 5 fois 2, 10. 2y moins 5 entre 8 moins 5, donc 3, et 10 moins 5, 5. Voilà. Donc, le B simplifie alors l'expression de A. A fait la valeur absolue. Donc, l'aîné a dit 4 moins 5x entre moins 11 et moins 1. Je m'entends 4 moins 5x négatif. Donc, valeur absolue de 4 moins 5x égale moins 4 moins 5x. Et nous, valeur absolue de x égale x si x est positif et égale moins x si x négatif. Donc, l'x interne est négatif, donc ratitini moins. Donc, est égal moins 4 plus 5x. Donc, égale 5x moins 4. Ben, on a du 2y moins 5 entre 3 et 5 positif. Donc, la valeur absolue de 2y moins 5 égale 2y moins 5. Donc, je vais la simplification de A. Donc, la A égale indienne A égale 3, valeur absolue de 4 moins 5x, plus valeur absolue de 2y moins 5, moins 15 moins 2y. Donc, égale 3 fois valeur absolue de 4 moins 5x, moins 5x moins 4, plus 2y moins 5, moins 15 moins 2y. Donc, égale, donc, moins 15x, pardon. Donc, égale, l'année prochaine en développement, 3 fois 5, donc 15x, moins 12, plus 2y, moins 5, moins 15x, moins 2y. Donc, l'année a dit plus 2y, moins 2y, 15x, moins 15x. Donc, je te parle, moins 12, moins 5, égale moins 17. Voilà, elle y est. Donc, A égale moins 17. L'exercice les bases, donc soit x et y de réel, vérifions x supérieur ou égal à y. Comparer 3x plus 1 et 3y plus 1, 2x moins 5y et x moins 4y. Montrer que donc 2x plus y sur 3 entre y et x. Donc, x supérieur ou égal à y. Donc, question numéro 1, comparer 3x plus 1 et 3y plus 1. Donc, x supérieur ou égal à y. Donc, 3x, bien sûr, supérieur ou égal à 3y. Donc, 3x plus 1, supérieur ou égal à 3y plus 1, tout simplement. Okay? Donc, tu as comparé, donc petit b, comparé 2x moins 5y et x moins 4y. Donc, les nèches sont générales. Donc, les nèches sont générales. Donc, 2x moins 5y moins x moins 4y, je ne chauffe pas, donc quoi égal. Donc, égal 2x moins 5y moins x plus 4y. Donc, égal 2x moins x moins x moins 5y plus 4y moins y. Donc, x moins y, on a dit x supérieur ou égal à y. Donc, x moins y, positif. Je m'en donc, 2x moins 5y supérieur ou égal à x moins 4y. Voilà. Dans cette question, les bas, t'as donc montré que donc, un encadrement de 2x plus y sur 3, donc entre x, entre y et x. Donc, je n'ai pas une idée, on va une idée. Donc, là, je suis un x supérieur ou égal à y. Donc, 2x. 2x supérieur ou égal à 2y. Donc 2x plus y supérieur ou égal à 2y plus y. On a 2x plus y supérieur ou égal à 3y. On va juste faire 3. Donc 2x plus y sur 3 supérieur ou égal à 3y sur 3 et il y a y. Donc je pense l'aîné. Et nous, 2x plus y sur 3 supérieur ou égal à y. Donc on saute la partie Lula. Donc, je joue partie et les bada. Donc, je n'ai pas partie et les bada. Andy, bien sûr, on a donc y inférieur ou égal à x. Donc, 2x plus y. L'année, je dis. Donc, Andy, je ne peux pas une 2x plus y sur 3 inférieur ou égal à x. Voilà, je vais nous le résultat. On a une x supérieur ou égal à y. Donc, l'initial option G, donc l'Y est donc Y
plus 2x, donc inférieur ou égal à 2x plus x. Ça colle juste zit l'henné 2x ou moins 2x. Donc, je me suis dit que je n'ai pas besoin de x plus 2x, supérieur ou égal à y plus 2x. Ça colle. Donc, l'henné est parti 3x supérieur ou égal à y plus 2x. Je n'ai pas besoin de 3. Donc, 3x sur 3 supérieur ou égal à y plus 2x sur 3. Et l'henné est parti nous, x. Donc, allez, simplification par 3. Donc, x supérieur ou égal à y plus 2x sur 3. Donc, finalement, on se trouve un encadrement. Donc, le y, voilà, 2x plus y sur 3. Donc, à où il est inférieur ou égal à x, supérieur ou égal à y. Voilà.